Au départ, nous avons fait des réunions avec nos chauffeurs pour savoir ce qu'ils en pensaient, leur expliquer aussi que le gasoil était un produit qui allait augmenter. Donc, on leur a demandé de s'investir sur leur conduite pour pouvoir avoir un gain de carburant. Si on a un gain de consommation, on a donc forcément, à la fin de l'année, une somme d'argent que l'on pourrait attribuer aux chauffeurs qui auront fait des efforts. Cette formation s'est mise en place chez nous il y a un an. Le challenge consommation, au départ, quand on l'a mis en place, il a été mal perçu, je dirais, par 50% des chauffeurs, puisque certains nous disaient que nous ne pourrions pas, derrière, le faire correctement. Et à partir du moment où il y a eu un an de recul et qu'on a pu leur prouver que les gens qui avaient réussi à baisser leur consommation, derrière, avaient eu donc droit à des primes, à l'heure d'aujourd'hui, on a, je vais dire, 95% des salariés qui vont dans le bon sens. Infomax va pouvoir nous permettre d'aller un peu plus loin sur la partie Renault, effectivement, puisque derrière, nous allons pouvoir faire des extractions plus régulièrement sur le véhicule et travailler au cœur du problème sur le matériel pour expliquer aux chauffeurs à quel moment le matériel a été utilisé correctement. Ce sera sûrement une opération très rentable. De par les calculs que l'on a fait, on pense le rentabiliser sur à peine 2 mois.